On enchaîne avec l'actualité du cinéma et Charlotte Boutelot et son invité Jean Dujardin qui est à l'affiche d'un nouveau film qui ne manque pas d'audace. Alors vous allez voir, ça s'appelle Un homme à la hauteur. Vous le voyez sur l'affiche, presque tout est expliqué dans le scénario de départ. C'est un homme qui est de petite taille et il est amoureux d'une femme qui est visiblement beaucoup plus grande que lui. Et alors, la suite dans quelques instants avec Charlotte qui rencontrait Monsieur Dujardin. Bonjour Jean. Bonjour Charlotte. Salut. Ça doit être très rigolo quand même au cinéma de varier les genres à ce point, parce qu'on vous a vu à peu près dans tous les genres, à part peut-être le péplum. Oh, j'adorerais ça. Salut à toi, Cracus. Marchons sur Rome et bois cette copie de Rommel. J'adorerais ça. Alors là, voilà, ça me manque. Votre table est prête. Ah, super, vamos. Non, laissez, je vais prendre. Merci. Comment vous avez réagi quand vous avez découvert le film la première fois, Fini Monté? C'est la première fois que je faisais un film comme ça, plus consensuel, on va dire, plus familial. Il est très familial, ouais, je pense qu'il est vraiment irréunie. Mais il est populaire. Très populaire et très maîtrisé et très élégant. La problématique d'Alexandre, je fais 1m36, voilà, il me manque 40 cm. Où est le problème? C'est ça le problème? Non. Bon, alors on y va, on commence l'histoire. Et l'histoire se décale ensuite sur les cons qui sont autour, sur les remarques réflexes, sur les clichés des gens qui peuvent... Et puis sur le mal-être, pour le coup, de Virginie Efira, parce que le film vraiment zoome sur elle à un moment, hein, sur sa problématique, en disant, voilà, est-ce que tu seras, pour le coup, une femme à la hauteur? Qu'est-ce qui se passe? Rien, du tout. Il me manque 40 cm, c'est ça? Bon, alors, c'est grave? Pas du tout. Non. Ah non, parce que même... Oui, c'est pas grave. Pas grave. Le grand public se dit, oh ben, c'est très simple, il y a des effets spéciaux, il y a des fonds verts, mais en fait, concrètement, vous jouez beaucoup à genoux. C'est beaucoup de contraintes, mais moi, ça me dérange pas, la contrainte. Parce que qui dit contrainte dit travail, dit sueur, et en fait, on est content une fois qu'on a bien travaillé la journée. J'ai besoin d'être un peu besogneux et de me dire, waouh, c'était pas simple, mais c'est passé, et en plus, ça marche. Je suis là. J'ai passé une super soirée. Moi aussi. Peut-être plus pareil. T'as rencontré quelqu'un? Pour qu'on comprenne, vous lisez un scénario, ouais. Vous savez si ça vous plaît ou pas. On sait aussi qu'il y a des agents qui sont doués et qui ils vous appellent, ils vous disent « Jean, je veux que tu lises ça ». Oui, ça peut arriver, c'est vrai. Mais j'ai beaucoup d'exemples où on m'a dit « il ne faut pas le faire ». Moi, les artistes, on m'a dit « il ne faut pas le faire ». Un film muet, noir et blanc, que ça a intéressé qui? Bah, si, ça, j'en sais rien. Pour l'instant, ce n'est pas fait pour intéresser les gens. Parce que sinon, si on fait tout par ce biais-là, c'est plus honnête, puis on s'amuse plus. On se dit, qu'est-ce qui va plaire aux gens? Je suis pas en train de faire des cheese, des burgers pour tout le monde. Je dis simplement, Diane, l'histoire est terminée, elle est avec moi maintenant, alors tu passes à autre chose, ok? Ah, tu me menaces? Je te dis juste que ma patience a des limites, c'est tout. Je rêve. Voilà, sors. Vraiment que t'as les moyens de me menacer à ton mètre 0,2 là. C'est quand même beaucoup ça le cinéma aujourd'hui en France. Qu'est-ce qui va plaire aux gens? On leur sert un peu des choses. Oui, mais voilà, c'est ce qu'on confond. On confond en fait cette fameuse phrase de, ça c'est un film qui va marcher et oui, ça c'est un bon film. Ça, j'ai horreur de cette phrase. Et au départ, c'est un projet artistique, il faut que ça nous emballe, il faut que ça me plaise, il faut que ça soit 2 mois de ma vie où je m'amuse, on a des choses à raconter, on a des émotions. Pardon, mais c'est pas pour tout le monde au début. C'est un truc qui nous appartient. Et puis ensuite qu'on donne aux gens. On dit voilà, on a bien travaillé. Est-ce que vous allez aimer notre travail? C'est autre chose. Merci beaucoup, Jean. Merci à vous, Charlotte. Tu sais que t'es un homme extraordinaire, Alexandre. Tu rends le monde plus grand. Oui, original. À voir donc, à voir, 4 mai.